moi un C, un L, un I, car je suis clitorine. Bonsoir Florent. Bonsoir. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous parler de votre film Clitorine qui va sortir prochainement sur les salles. Donc Florent, comment vous est venue l'idée de ce film qui sauvera Clitorine ? Je ne sais pas vraiment si on peut parler d'une idée en fait. C'est une révélation, je dirais. C'est quelque chose qui m'est tombé dessus comme ça d'un seul coup. Idée, c'est un peu faible. J'étais en Tasmanie et d'un seul coup comme ça, je regardais le Grand Canyon et je me suis dit, mais vas-y, fais-le. Et là, c'était started. Ouais, c'était parti quoi. Une évidence, oui. Une évidence. Ok, d'accord. L'actrice principale, comment l'avez-vous trouvée ? Vous voulez dire Jenny ? Oui. Ouais. Ça me paraît un petit peu une question stupide. C'est-à-dire que elle était elle, j'étais moi. What else ? Juste une évidence, quoi. Mm-hmm. Jenny ? Bonjour. Puis-je vous appeler Jenny ? Appelez-moi Jen. Ok, Jen. Alors, Jen, si on t'a fait venir ici ce soir, c'est pour te poser quelques petites questions sur le film dont tu es l'héroïne, qui sauvera Clitorine. Déjà, pourquoi ? Pourquoi tu as fait ce film ? Merci de m'inviter. Merci de me recevoir. La rencontre avec Flo a été évidente. Je crois que il a su capter en moi la muse. Far away, really far away. Ça, vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez. Bien sûr. Les téléspectateurs vont voir un peu les dessous du tournage. Qu'est-ce que vous voulez leur raconter ? Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes à nous offrir ? Par rapport au tournage, déjà, une phrase qui résume bien tout, c'est l'équipe technique a fait un travail formidable. Ouais. Vous y croyez quand je dis ça ? Oui. Eh ben non, c'est des conneries. Ils m'ont mis une équipe de branleurs. N'importe quoi. J'ai dû tout faire. J'ai dû filmer, faire le son. C'était des gros nazes qui ne savaient rien faire. Je sais pas d'où ils sortaient. J'ai tout fait. Et est-ce que c'est à moi de tout faire sur un tournage ? Est-ce que c'est à moi ? Je vous pose la question. Bien, maintenant, je vous propose de visionner quelques passages choisis que vous nous commenterez au fur et à mesure. Vous êtes prêts ? Let's go, why not ? Amusant. Non, je veux t'aider. On tuera ensemble le dernier des méchants. Je veux pas. On tuera ensemble le dernier des méchants. Donc je crois que vous avez eu quelques problèmes d'intrusion de vos fans sur les scènes de tournage. Comment cela a-t-il été résolu ? Écoutez, c'est un problème qu'on n'a pas vraiment résolu, puisque où que j'aille, j'ai une horde de groupies qui me suivent. Des gens qui admirent mon travail. Je leur ai rien demandé à ces gens-là. Et puis ils viennent. Alors là, ce qu'on voit là, c'est notamment une femme qui est venue avec une poussette, avec un bébé dedans, sur le tournage. Une personne qui avait des soucis mentaux, visiblement. J'ai demandé à mes gardes du corps de l'expulser, mais ça arrivait plusieurs fois. Alors là, une scène de maquillage, donc Julien qui a +4 en maquillage, je tiens à le préciser quand même. La scène du zombie, je voulais pas. En fait, c'est pas mon idée. C'est les producteurs qui m'ont posé ça. Mm. Business is business. Yeah, yeah. Make money. Parce que c'est à la mode, les zombies. Alors moi, c'est pas du tout mon truc. Bon, je sais bien qu'il y a des films récents dont le seul sujet c'est les zombies, mais moi je suis désolé, je fais pas ça. Par exemple, là, cette scène de combat qu'on voit, moi j'ai un problème avec ces scènes de combat, clairement. Pas sur la technique, parce que les arts martiaux, moi je connais rien du tout. Mais sur le jeu d'acteur, là par exemple, là, où est l'émotion ? Où est le doute ? Éventuellement, l'absence de doute. Mais le mec il fait rien passer quoi. Et ça transpire pas. Merde ! C'est vraiment, alors ça, comme on dit, les computers, les ordinateurs. Macintosh. Ouais, c'est ça, toutes ces choses. J'ai horreur de ça. Clairement,
pour les besoins du scénario, il y avait besoin là, que le savant fou ait des appareillages. Et ça marchait pas, c'était n'importe quoi, ça faisait tout ce que ça voulait. Ouais. Faut vous dire, on avait 500 pour cette scène, et quasiment tout est passé en effets spéciaux, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. 500 000 dollars. 500 000 dollars, évidemment. Ouais. Action. T'es vraiment qu'un gros boulet, hein. T'as rien à faire dans ma vie. Mais Clitorine, laisse-moi, mec. Je t'aime. Ah non, laisse-moi, t'es trop lourd. Clitorine, reviens. Dégage ! Florent, le réalisateur du film, est-ce qu'il vous dirigeait bien ? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait gérer ses acteurs ? Il est très professionnel, vraiment. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'avec lui. Je crois que... qu'il a vu en moi, qu'il a ouvert mon âme. Quelque part, you know what I mean. C'était comme les effluves d'une vision de moi, quelque part dans l'infini. Tout simplement. Je crois qu'il faut rester simple. C'est quelqu'un de très humain. Tu crois? Toujours le mot pour rire, je vois. Tu n'as pas changé. C'est ta gueule. Vas-y, reprends, toujours le mot pour rire. Action. Fais pas rire. Quand tu veux. Désolé. Allez, continue. Arrête. Je te regarde pas. Vas-y. Oh putain. Je préfère me casser. Ouais, là, donc c'est deux personnages dans le film que j'aime beaucoup, en fait. C'est Bulldozer et Destructor, les deux hommes de main, qui sont joués respectivement par Eric et Christophe. Enculé de toi. Enculé de toi, si tu vas parler contre le maître, on te le dira. Bon, ça, je te tiens que j'ai enregistré, ce sera retenu contre toi. Ça sera dans le making-of, ça. Eric et Christophe, que j'ai rencontré en 82 à Fleury-Mérangis, bah, on était dans la même cellule en fait, bon, une sombre histoire de détournement de fond. Et en fait, quand j'ai eu besoin de quelqu'un pour le rôle, je les ai appelés, ils étaient ok tout de suite, ça s'est bien passé. C'est vraiment deux gars qui sont sincères, profonds. Je sais que je peux compter sur eux dans toutes les situations. Ouais, ouais. Non mais c'est là qu'on s'aperçoit quand même qu'être acteur, ah oui, effectivement, c'est un boulot quoi. On peut pas s'improviser du jour au lendemain, acteur. Je sais très bien ce qui s'est passé. Le personnage de Flavio qu'on voit là a été joué par Julien. Julien, c'était son premier rôle. C'est moi qui l'avais repéré. Et là, avec le succès du film, ben, il a été maintenant repéré par des producteurs américains. Donc ça a lancé sa carrière vraiment. Je l'ai eu hier au téléphone. Il est à Los Angeles et il est en train de tourner bon, dans une super production avec... je ne sais plus quelle actrice américaine en vogue. Donc comme quoi, bah, Julien, bel exemple de réussite, hein. On peut avoir du succès dans la vie même si on est roux, quoi. On peut triompher de son handicap. Je sais très bien ce qui s'est passé. Elle représente une menace pour nous, et maintenant, je prends les choses en main. Pas mal. Il était temps d'y arriver. Philibert, inquiet, comme ça, tu regardes. Action. Tu vois pas les chiens, là? Si, là, oui. Action. Et là? Oui, là. Fais action. Moi, je te laisse. Je vais retrouver ma petite et on y va. Elle a été enlevée! Ça va? Enlevée! Clitorine! Et là, c'est Nicolas, donc, qui incarne Philibert. Bah écoutez, depuis le tournage, j'ai plus aucune nouvelle. Bon, vraiment, il répond pas à mes appels, je sais pas où il est. J'imagine qu'il a eu des opportunités intéressantes, donc il doit être quelque part à Hollywood, en train de nous snober, tourner dans un grand film. Les combattants là de cette scène, c'est des vrais combattants en fait. J'étais dans le Bronx à New York et ils faisaient, comment on dit, du free fight pour gagner leur vie. Ils faisaient des combats de rue, combats à mort.
Et je les vois faire ça, et je leur dis « Come on, guys !» Et je dis « Venez, venez dans mon film, je vous paye pour tourner. » Alors ils ont accepté, à la seule condition qu'on ne voit pas leur visage. C'est pour ça qu'ils sont masqués. Et d'ailleurs, personne, même les membres de l'équipe, n'a vu leur vrai visage. Ok, bah écoutez, je vous remercie, Florent, d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir de vous accueillir dans notre studio. Et nous nous reverrons sûrement pour un prochain court-métrage. Mais avec plaisir. À bientôt, Jen. Thank you, everybody. Thank you.